Bien, bonsoir, mes très chers collaborateurs, allons dire. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que nos amis artilleurs nous ont contactés. Nous ont contactés pourquoi? Parce qu'ils ont eu des problèmes récemment avec des personnes mal intentionnées. Et comme nous sommes l'enclave, nous sommes l'Amérique, et sachant que ce sont des soldats, il est de notre devoir de leur livrer quelques petites choses telles que de la technologie, des armes laser, des T-60 aussi pour remplacer un petit peu leur T-51B un peu vieillotte. Je sais très bien, vous pouvez potentiellement ne pas comprendre nos choix, mais c'est un choix stratégique. Les artilleurs sont de précieux alliés. Nous avons rendez-vous par derrière moi pour leur fournir ceci. J'espère que vous êtes tous prêts. Vous êtes les meilleurs de l'enclave, d'après ce qu'on m'a dit. Et j'espère bien que c'est le cas. Nous allons pouvoir y aller. Et ne posez pas de questions trop importantes et insinuantes. Allons-y. Bon. Je ne vous cache pas que nous n'allons pas non plus trop marcher lentement. Nous allons devoir potentiellement courir un petit peu. Nous allons devoir suivre cette route. Je pense que vous connaissez déjà les environs, puisque il y a eu une mission dans le passé à Sugar Grove qui s'est mal déroulée. J'ai pas eu la chance de participer à celle-ci. N'oubliez pas, je suis un VIP de marque pour l'enclave. Je suis quand même James Garrett. Je suis, on va dire, un infiltré pour l'enclave et je suis un atout très précieux concernant les relations diplomatiques. Je pense que nous allons approcher tout bonnement de la zone. Sachez qu'il n'est pas nécessaire de tirer sur eux puisque ce sont nos alliés. Monsieur en armure assistée au loin, allez pas trop loin. De toute manière, nous allons devoir bifurquer puisque c'est par là que nous allons. Ah. Ah, je vais encore salir mon beau costume. Que c'est pénible. Monsieur, restez à oublier la formation, s'il vous plaît, afin que nous puissions vous protéger. Bien, au moins vous êtes de bons soldats. C'est déjà ça. Serré à gauche. Bien, nous arrivons sous peu. Voyez là-bas, c'est là le point de rendez-vous avec ses très chers amis artilleurs. Ou bien militaire. J'espère notamment que tout se passera bien. Mais normalement, ça devrait être le cas. Ah, je vous cache pas que vous avez été engagé pour ma protection en partie ici. Les relations diplomatiques par moments sont dures à faire. N'empêche, c'est un bel endroit, malgré tout, malgré que ce soit assez dégueulasse pour s'y balader en smoking. Allez. Bon, où sont nos amis artilleurs? Où sont-ils? Ça me paraît d'être très calme ici. Où sont nos amis artilleurs? Ils sont juste devant la baraque. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. J'espère que tout se passera pour le mieux. Bien le bonsoir, très chers amis artilleurs. Bien. Bravo. Bon, j'avais reçu votre appel, enfin plutôt, nous avions reçu votre appel. Il paraîtrait que vous avez eu quelques petits soucis récemment.
Oui, il y a des types qui se baladent. De fait, nous en avons conclu avec l'enclave que votre puissance de feu n'était pas très importante. Du coup, ce qu'on en a conclu de notre côté, et ce qu'on a décidé de faire, c'est de vous offrir gracieusement 4 armures assistées de modèle T-60. Ah. Ainsi que des armes laser de, comment dire, haute technologie et quelques petits prototypes assez fiables pour ne pas exploser comme le dernier prototype qu'on vous avait fourni, mais quelques petits prototypes plasma. Ah. Je suis... Combien de plasma? Nous en avons pris 3, je pense, si je ne m'abuse, je ne sais pas, mais ça ceci... Vous en avez combien? 3, oui, c'est ça? Oui, oui. Voilà. 3, donc 3 plasmas, des lasers Gatling de haute qualité, et quelques petites fusils laser aussi, même si je suppose que vous en avez quand même pas mal, ça, des fusils laser. On en a une cinquantaine, mais on pourra en donner plus à nos hommes, sans risquer d'en perdre beaucoup. Sachant que, voilà, nous vous offrons aussi 4 T-60, d'ailleurs, je vous prie, messieurs, de bien vouloir fournir les T-60 à nos amis artilleurs. Oh, j'aime ces bruits. Eh bien, dites donc. Bien, sachez une chose, je vous avertis, pour les armes plasma, c'est plus compliqué que des armes laser à entretenir. Veillez bien à faire en sorte que le combustible ne soit plus à l'intérieur de l'arme plasma. Sinon, ça peut, comment dire, vous dissoudre quelques membres. Ce serait quand même dramatique pour des soldats de votre envergure. Oui. On comptait utiliser ces armes plasma pour s'occuper des problèmes restants. C'est-à-dire des problèmes restants. Bien, on a encore des prisonniers dont on sait pas quoi en foutre. Ça fait quelques jours qu'ils bouffent pas, qu'on les met notre but, ça serait totalement les annihiler. Pour pas faire de bruit ni de cadavres, on compte utiliser ces armes plasma. Vu ce que j'avais essayé, ça désintègre les corps et on n'a pas besoin de les cacher. On les met juste dans un petit trou, puis c'est fini. Effectivement. D'ailleurs, comment se portent les artilleurs en ces temps troubles? Bien, on a un petit problème, c'est il y a des types inconnus qui traînent autour de notre base. Tu as des groupes qui aident nos ennemis, c'est-à-dire les cultistes, qui leur fournit peut-être des armes ou je ne sais quoi, de la bouffe ou en état de siège, je ne sais pas ce qu'ils ont fourni. Un lance-grenade, je pense que des cultistes n'en avaient pas avant. C'est vrai. Mais en tout cas, soit les cultistes sont bien armés, enfin mieux équipés qu'on le pense, soit on leur fournit des armes. Et je pense que c'était un groupe d'élite, vu comment ils sont passés sous notre... Très beau poisson. Bien, d'accord. Bah, écoutez, des gens qui se prennent pour des poissons, c'était comme d'avant-guerre, mais je ne vous cache pas que je serais surpris de revoir de nos jours. Mais voilà, donc, nous vous fournissons donc exactement 4 T-60. 3 armes plasma prototypes, mais qui ne sont... Enfin, prototypes façon de parler. Ce sont des bonnes armes plasma, mais pas assez bonnes que pour nous, on puisse les utiliser. Plasma d'avant-guerre, quoi. Voilà, des plasmas d'avant-guerre qui ne sont plus à l'état de prototype, puisque les plasmas d'avant-guerre que vous pouviez retrouver dans les casernes, ça c'était des vrais prototypes qui vous explosaient à la gueule si vous ne saviez pas vous en servir. Ici, on a mis des sécurités, on les a rendus tout beaux, tout jolis, tout propres, pour que vous, même vous, vous puissiez les utiliser. Bien. Et aussi... Une fois n'est pas coutume, nous vous fournissons aussi quelques armures de marine de nos stocks d'avant-guerre, qu'on a retrouvées évidemment. Vous avez quelques armures de marine, comme ça vous serez heureux. Est-ce qu'il y aurait une caisse pour vous les déposer? Oui, bien sûr, attendez.
Soldat Scott, allez la chercher. Vous savez, elle est dans le... dans le... Je vais vous chercher ça. Plus que ça, allez hop hop. Pas de course. Et sinon, avez-vous d'autres informations à nous vendre? Bien, mis à part ces groupes mystérieux, on a peut-être la localisation parfaite d'une usine de munitions de l'ARN. Vu qu'ils ont fait péter leur autre usine de munitions, ce serait la seule utilisable, qu'on connaît. Je cite le général, la seule, vraiment. On connaît. Ouais, j'ai entendu dire qu'il s'est vanté à la radio, à votre radio en plus, qu'il en avait une et il a donné la localisation exacte. Ce qui pourrait être quand même drôle parce que ça nous permettrait à nous, l'enclave, de s'imposer et de détruire complètement toute la colonie. Certes, il y aura des pertes humaines et autres, mais bon, voilà. Si vous êtes en guerre, ça veut dire que s'ils sont en guerre contre vous, ils sont en guerre contre les États-Unis d'Amérique. Et c'est-à-dire qu'ils sont en guerre aussi contre nous. Du coup, nous allons les anéantir. Si ça se passe comme ça, nous allons devoir les anéantir. Effectivement, puis bon, je ne vois pas vraiment d'intérêt à les détruire, mais si c'est ce que veut l'enclave, je serais prêt à aider. Ce que nous voulons simplement, c'est reconstruire les États-Unis d'Amérique. Mais s'il y a des gens assez cons et assez bornés que pour vouloir détruire encore plus ce que vous avez accompli par le passé et par le présent, ça ne nous conviendra pas et donc il faudra qu'on intervienne. D'accord. Comment fait-on pour vous appeler ? Voici donc la caisse, excusez-moi de vous interrompre. Tenez, je me baisse et voilà. Que Dieu vous bénisse pour votre générosité, bien entendu. Pas de soucis. Très chers collaborateurs, veuillez déposer dans la caisse à ces hommes les équipements adéquats. Combien d'armes laser pour être prêt? Les armes laser lourdes, nous vous en fournissons, je crois, 2 ou 3 aussi. Les armes laser traditionnelles, nous vous en fournissons 4. Et les armes plasma 3. Par contre, vous avez effectivement des armures T-60 des armures de marine. Effectivement. Bien. En espérant que ça vous serve à l'avenir et que ce sera très fort bénéfique pour notre alliance et pour l'avenir des États-Unis d'Amérique. Puisqu'après tout, on veut les reconstruire. N'oubliez pas que si vous avez besoin, vous avez été passé sur un canal extrêmement crypté que personne ne saurait décrypter, surtout pas avec la technologie actuelle, pour nous contacter. De fait, si vous avez besoin d'aide ou autre, si jamais potentiellement vous nécessitez 1 ou 2 soldats expérimentés de l'enclave pour vous aider dans une quête, nous accepterons sous certaines conditions, évidemment. Ils mettront combien de temps avant d'arriver si on les a... Sachant que nous sommes en DEFCON 2, désormais, ils mettront approximativement 5 minutes pour arriver sur place. Ah, des vertiptères. Oui, des vertiptères. Bien. Permission de parler? Affirmatif. Monsieur, je ne sais pas si vous savez, mais la Fossoyeuse et la CDA ont une relation très intéressante. Disons que les deux chefs ont une relation amoureuse et vous savez ce qui arrive après une relation amoureuse. Oui, une rupture. Ou un enfant, oui, effectivement. Oui. Vous allez. Et donc. Voilà. Du coup, il y aurait peut-être. La légende raconte qu'il y aurait peut-être un enfant, mais bon, je peux pas vous promettre. Que ça soit vrai, mais c'est ce qu'on dit souvent. Et ça serait très handicapant pour un chef, plutôt pour un chef d'être en cloque. Hein, Effectivement, ça peut, diminuer leur position. Du coup, ça serait des cibles idéales, et idéalement pour les éradiquer, évidemment. Effectivement, oui.
Et du coup, je suppose que les artilleurs veulent, comment dire, attaquer cette CDA, c'est ça? Non, mais j'ai vu un groupe paramilitaire traîner dans le coin, ça peut être un peu tout le monde. Je les soupçonne aussi, mais je peux pas être en être certain, mais j'ai assez peur. J'ai assez peur que ça soit eux qui traînent dans le coin, ou peut-être la RNV, peut-être les Samaritains, mais bon, je ne sais pas ce serait quoi leur but de traîner dans le coin, mais on sait qu'il y a un groupe militaire qui traîne dans le coin, peut-être à l'extérieur des Appalaches, peut-être pas, peut-être que c'est à l'intérieur, je ne sais pas. Mais c'est ça qui me stresse un peu, c'est le fait que je me sens observé et que mes actions soient observées. Peut-être pas nos communications, c'est pour ça aussi que j'ai demandé à l'enclave qu'on soit déplacé sur un autre channel, puisque j'ai peur de que je sois écouté. Vous savez, avec ces grandes victoires qu'on rapporte ces jours, Point Pleasant, etc., je crois que on a causé un peu la peur dans tous les Appalaches. Et la peur est présente. Et il faut qu'ils aient peur, puisque nous sommes en contact directement avec Poseidon Oil, qui vont nous renvoyer des troupes. Bien. Une petite division. Ce n'est pas plus mal. Mais vraisemblablement que ça fera beaucoup de bruit dans les Appalaches. Une arrivée en vertibère étrange de beaucoup, beaucoup de soldats. C'est vrai, c'est vrai. Mais ce serait bénéfique pour nos deux parties. Ouais, effectivement, nous pourrons ainsi éradiquer les personnes qui ne sont que très peu contentes des actions menées par les artilleurs ou autres. J'ai les Samaritains après tout. Ils sont gentils, ils nous ont envoyé de l'aide, enfin... Du moins, ils ont passé un message sur votre radio, et vous savez très bien qu'on a répondu présent et qu'on va vraisemblablement les aider. Après tout, voilà. Mais on agira quand même toujours sous couverture, évidemment. Bien sûr, bien sûr.